Christian va nous le dire. Pareil. Ouais. Ça a commencé avec un tracteur pour enlever les pelons d'herbe. Et c'était Massé Ferguson. Ouais, ah oui, tracteur. C'est vrai, c'est vrai. À la binette, hein, à la piste, c'était pas ça. On pensait y avoir une piste le soir. Et là-bas, au coin, on avait un vieux camion pour se mettre à l'abri. La cabine du camion là-bas. Et puis ça a été de nommer Christian Levadou président d'honneur du club. Wow. En raison des services qu'il a rendus, de ce qu'il a fait pour le club et qu'il était à l'origine du club d'ailleurs, avec quelques-uns dont j'ai fait partie. Donc voilà, nous t'avons désigné, tu es président d'honneur, co-président d'honneur avec Jean-Claude Labarrère. Donc on peut avoir plusieurs présidents. Voilà, vous êtes. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc Jean-Claude n'a pas pu venir, c'est dommage, il était retenu. Donc voilà, un petit cadeau et ton diplôme de président d'honneur. Je pense là que c'est assez beau quand même. Voilà. Ça vaut le fort, en fait, ça vaut le fort. On ne t'embête pas. Là, c'est vraiment un gros plan. Voilà. Bon, mais je vous remercie, je ne sais pas quoi dire de plus. Ça nous fait plaisir, donc tu es président d'honneur, donc tu as accès à tout ce qui est président d'honneur. Ça a plutôt, c'est-à-dire que tu n'as rien du tout. C'est purement festif. Oui, mais quand je n'ai pas besoin de grand chose. Voilà. Bah déjà, si c'est festif, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. C'est déjà ça, et donc on va en profiter pour... Voilà. C'est pour ça que j'ai insisté un peu pour que tu viennes. Je sais que tu n'es pas un peu Je ne sais pas que je n'étais pas trop en bonne forme, ça c'est pas mal. J'ai insisté un peu, et quand même, s'il ne vient pas, on est mal. Hein. Oui, ça, voilà. Alors, voilà. Une question. Donc, bon appétit, on va faire chauffer un peu les galettes. Une question, Jacques. Oui. Le trésorier, c'est celui qu'on appelait Arsène Lupin, non? Oui.